Federico. Ça va. Je vois que c'est votre épaule qui est bien pris. What the hell? Moi, je me suis fait un méchant coup. À la lèvre, mais bon. Nous irons nous faire soigner expressément. Mais je vais nettoyer la merde. C'est déjà un peu mieux, j'ai encore quelques petites traces, mais. Bien sûr, revenez par là. Ah, par là, sac à fiente. You cut me loose. Damn it! Eh, peut-être m'en laisser un petit peu, non? Il est des démons, très cher. C'est des démons, démons. Alors, je crois que ça va être votre témoin, bientôt. Je suggère que nous levions les voiles. C'est ce que je veux dire. Mais c'est pas possible ça. Pardon ? Thank you.
restera. Un petit atelier de torture. Torture. Quelqu'un qui serait peut-être cannibale. On dirait des pièges. Sans doute, c'est un chasseur. Chasseur avec un truc qui ressemble. Comme si plus personne voulait découper des personnes. Oui, mais en voyant tous les trophées qu'il y a ici, c'est assez bondé. Personne découpe les animaux. C'est guère ragoûtant ici. Hein. Pas vraiment ici. Mais attendez. Putain de merde. Qu'y a-t-il? Anatomy of the lower leg. Attendez. Bon. Si. Je ok. Alors, anatomie. Je crois qu'on est en gros, tombé, anatomie je... de la jambe. Mais je suis un fou. À côté, il y a un squelette d'oiseau. Un squelette de main. Une tête de cochon. C'est quoi ces horreurs? Je dirais que je suis sûr quand même qu'on mette tes voix. Ouais, c'est comment dire, très flippant. Et bloque. Je crois que très chiant, vous êtes sur une zone. Très infâme. Ouais. On va toujours continuer à tuer pas de loin. C'est on ne peut plus motivant. La vermine a éliminé. Je
Je sais qu'on ouvre la maison. Elle fait un peu peur, non? Et surtout, elle est très abandonnée. Découper là-dedans. Ça ne va pas. J'espère bien. On n'est même pas encore noyé, je vous rappelle. Ça, elle a pas de bras suicidé. On va retourner derrière. Quelqu'un d'autre peut-être pas. Y a-t-il un petit peu de compagnie? Ah, oh, oui. En effet. Monsieur, je crois que vous êtes bon à faire une perche arrière. Non, monsieur. En fait, une marche arrière. Horse-faced inbred. Il râle sur nous, donc. Il doit faire une marche arrière. No damn time for you. Something stung you, huh? Vous avez un problème là? Ain't got no time to teach all you peckerwoods respect. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Il raconte quoi, très cher? On me demande quelle mouche nous pique. Quelle mouche vous pique, c'est ça? La mouche comme ça? Vas-y, vas-y, essaie de dégainer. Vas-y, vas-y, fais-moi plaisir, essaie juste de dégainer. Ain't got no time to teach all you peckerwoods respect. Ah. Mais en plus, t'as loupé ton coup. Disons qu'il a pas le temps de tirer. Mais vous êtes con, monsieur. Bon, je suggère qu'on remette les voiles promptement. Comment ça, t'es mon avec? Il est pas là, toi. Vous avez un problème, monsieur? What in the hellfire? Please, don't do this. Go, darn tarnation! Allez, salut.
Mmh. Allons voir mon meilleur ami, bien sûr. Meilleur ami, Walter Bassage.